Omar d'Amfort, c'est car soutient Messi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Messi qui a été sifflé au Parc des Princes. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est qu'on est parti. Alors, Messi a été sifflé au Parc des Princes et Omar d'Amfort, c'est car est revenu sur ça. Il a défendu Messi. Omar d'Amfort, c'est car c'est un mec, c'est un fan de Messi. Donc, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je ne m'attendais pas au fait qu'il critique Messi. Loin de là. Donc, c'est juste dans la lignée de ce que moi j'attendais de lui. Hein. Mais si on revient vraiment au fond du problème, est-ce que ça vaut le coup de siffler Messi? Est-ce que c'est Messi qui est le joueur le plus mauvais du PSG actuellement? Moi, je trouve même que c'est l'un des joueurs les plus bons actuellement au PSG. C'est l'un des joueurs les plus bons. Je ne dis pas qu'il est meilleur. Il peut faire mieux, mais ce n'est pas le pire, il est loin d'être le pire. Il est très loin d'être le pire. Il est très loin d'être le pire, mais on le critique. Pourquoi? Mbappé est même pire que lui. Mbappé est pire que lui, mais personne ne critique Mbappé parce que c'est le projet. Personne ne critique Mbappé. Donc, moi, je trouve vraiment que critiquer Messi, c'est faire insulte au football, comme l'a dit Emmanuel Petit. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. De toute façon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.